17h à tous studio télévision nationale d'Haïti Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui vendredi 14 septembre 2018 là pour nous capapoter pour tout élément d'information yo. Déjà, nous souhaitons passer un très bon vendredi et surtout un très très bon week-end. Rapidement mes grands points qui a dominé actualité à ce jeudi vendredi à premier ministre nommé Jean-Henri Seyen avec membre cabinet ministériel a présenté là dans Sénat républicain dans le cadre de séance ratification ou non politique générale. Vice-président Sénat républicain Pierre-François Sildor a garanti rapport final sous analyse pièce membre cabinet ministériel là a déjà paré avant séance ratification. Connecter les déconnectés pour construire l'avenir du numérique en Haïti, c'est sous thème sa première édition Forum national sur gouvernance Internet organisée hier jeudi 13 septembre dans Pétionville, une initiative Internet Society. Non à stigmatisation, c'est sous monde qui fait sida, c'est sous thème sa responsable AIDS Health Care Foundation en Haïti, lancé jeudi 13 septembre, yon concours théâtre contre discrimination et exclusion sous monde qui a maladie sida dans sang yo. Et puis, à l'étranger, population Caroline du Nord, dans le pays États-Unis, apparaît là pour passage à ouragan Florence sous état cela jeudi vendredi. Autorité ont déjà demandé 1 million de monde pour quitter côté ya vivre là. C'est point ça, y'a quelques clôtures, n'a pas gagné pour nous capables de développer pour nous journal là jeudi vendredi, n'a pas un petit pause, pas déplacé, n'a pas tourné tout à l'heure. Merci pour fidélité ou attention à l'édition nouvelle cela. Nous retournons pour développement information. Et je note dit dans grand titre vice-président Sénat République Pierre-François Sildor qui c'est tout membre commission spéciale qui a analysé dossier premier ministre Jean-Henri Seyen avec reste membre cabinet ministériel là fait qu'on est deux sous-commissions qui t'a analysé pièce membre cabinet ministériel là déjà remettre rapport yo baïa commission spéciale là. Ma commission Kounia a travaillé sur rédaction rapport capable avant séance ratification. Sénateur Sidor dit tendance là dans Sénat républicain favorable pour capable voter déclaration politique générale premier ministre nommé Jean-Henri Seyen. On nous suivre extrait dans déclaration. Quant à rapport de commission, c'est une commission spéciale qui est formée pour analyser pièces et premier ministre et les ministres. Donc, la commission a été divisée en deux sous-commissions, comme nous le connaissons déjà. Une sous-commission qui travaille sur DGI avec les archives nationales. Une deuxième sous-commission qui travaille sur l'immigration avec le consulat des comptes. Deux commissions sous-commissions, ça remet rapport. Et nous avons un premier jet rapport consolidé avec déjà fait rapport de ce commission que nous pourrons présenter à bail président de la commission et qui pourra lire demain en assemblée pendant l'énoncé politique générale. Nous avons dit que nous-mêmes, au niveau de la commission spéciale, rapport la grande prêt pour demain pour inviter le premier ministre pour l'énoncé politique générale. Voilà. Donc tout bagage fin prêt et pas gagné rien qui va faire ratification ça lui-même il va faire demain séance. Bon, c'est-à-dire que tout humainement possible bon côté par nous et sous rapport commission l'a fait et sénateur invité si pas grand moyen qui trop grave séance le fait normalement pour énoncer déclaration politique générale pour le ministre. Et ça gagne en termes de recommandations dans la commission, sénateur. Oh, pas qu'à dire là dedans malheureusement. Est-ce que toute pièce ministre correct? On pas qu'à dire là dedans parce que ça c'est un rapport commission lui. Et ce rapport commission faut ne pas président, c'est président qui parle en assemblée même avant ça ne pas faire aucune déclaration, c'est le il y a deux présidents en assemblée qui faire. Moi même pas contre tout bail là. Jusqu'à hier, il y a plusieurs monde, est-ce que nous c'est rapport pour bail, est-ce que dans séance on a bien non, dans rapport consolidé. Non, si la commission spéciale travaille pour l'assemblée, nous même fini, nous pas remettre président Sénat honorable Joseph un rapport là. Et pendant l'assemblée, a distribué le bateau de sénateur pour reconnaître ça de lui-même. Non, tendance à aller vers ratification au ministre.
N'a toujours été dans le Parlement haïtien, qui chita soumis n'importe où prince, sauf que n'a quitté grand quoi, non pour aller au niveau de chambre basse là, gagné député circonscription Cathy Morin, Isaïe Prophète, qui portait explication sur rencontre qui était gagné entre plusieurs députés qui sortis dans le département nord et le département nord de ce pays, te gagné un week-end passé, avec chef l'État pays, Jovenel Moïse, et puis premier ministre nommé Jean-Henri Seyan. Parlement a fait qu'on ait une discussion de Chita Sito sous formation nouveau gouvernement avec plusieurs projets qui t'a dû exécuter dans le département Sayo. Député Esaïe Prophète a participé dans l'émission 360 sur Télévision Nationale d'Haïti en nous suivant l'explication. Pas de ministre qui a un problème de décharge. Pas de ministre qui a un problème de double nationalité. Depuis pièce, toute ministre correcte. N'a voté. Alors même si on va reconduire moun que nous demandé yo même si, et ça n'a demandé yo même comme parce que en tant que comme partage en tant que parlementaire ça m'a revendiqué là il secondaire. Responsabilité que me prend l'aime t'a voté l'aime t'a prêté serment de venir député me prend responsabilité capable respecter la loi la constitution. Si un gouvernement vient devant depuis le respecter tout principe que la loi, la constitution, mandé pour le respecter, m'obliger à voter, je ne pas faire dilatoire. Je ne pas croire que ma majorité des députés a un problème avec le personnage Jean Risset. Honnêtement et sincèrement, je pense que j'ai une chance pour le passer dans la chambre députée sans problème. Simplement, la besoin de mettre tout papier que la constitution a mandé pour un monde qui a un ministre. La besoin préparer papier ça. Tant qu'on nous dit, depuis tout document ministre Jean-Henri Seyan ou prêt, la passé. Parce que moi, je fais partie de députés qui ont supporté la majorité. Dans le remaniement ministériel qui était fait là, il y a des ministres qui étaient tournés, qui n'ont pas été d'échange. Même la façon de faire là, ils n'ont pas respecté tout principe. Mais la cour, tu préparé un rapport, il te dit ministre, tu es supposé gagner des charges. En tant que député qui a supporté la majorité, pour moi-même, c'est un gros calotte que je te prends. Parce que je ne suis pas venu là pour supporter une majorité en violant la loi, en violant la constitution. Je dis ça à tout le monde. Mais tu as supporté le président Jovenel Moïse, depuis la fond bagage qui n'est pas bon, je dis, je vais avoir. Parce que le premier engagement, ce n'est pas pour supporter la majorité, pour supporter le président Jovenel Moïse, c'est pour faire sûr que le principe constitutionnel est respecté. Si M. Henri Seyan vient avec un ministre qui ne répond pas aux critères constitutionnels, on ne peut pas voter. Ça veut dire, alors, avant que vous venez avec le cabinet ministériel, faites sûr que vous prenez temps. Vous prenez temps, vous faites devoir de maison, parce que pas de député qui fait partie de la majorité, qu'après il vient violer la constitution pour être capable de voter un gouvernement. Ça nous clair. Restez branchés, Télévision Nationale d'Haïti, après-midi, pour être capable de suivre en direct la séance ratification ou non énoncé politique générale. Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan. N'a pas quitté le Parlement haïtien, nous, j'en ai dit dans grand titre. Internet Societies organise première édition Forum National sur gouvernance Internet hier jeudi 13 septembre 2018 là, dans Pétionville. Une activité qui déroulait en baptême connecter les déconnectés pour construire l'avenir du numérique en Haïti. Stéphanie Charles et Hervé Pierre a présenté dans quoi rendu. Connecter les déconnectés pour construire l'avenir du numérique en Haïti. C'est un baptême ça, première édition Forum National Internet l'a lancé jeudi 13 septembre. Faire promotion pour Internet et puis faciliter un groupe monde qui pas connecté vienne connecter, c'est principal objectif organisation Internet Society d'après président chapitre dans pays d'Haïti à Obed Sendi. Haïti gagne en section et bien c'est lui même qui fait événement ça pour capable promouvoir et l'internet et comment capable et permettre que un série de monde qui pas connecté connecté parce que avant pour un projet, il faut une série de débats, faut une série de réunions pour projet au café. Ça nous besoin de tout le monde impliqué. Nous avons besoin d'une série de conférences qui viennent d'imposer, mais nous avons besoin de participation et multipartite, une participation côté n'importe où dans la société civile qui a dit mais qui ça a pensé, réaction du gouvernement internet et comment nous avons ensemble pour nous résoudre une série de problèmes, pour mettre une série de villages qui n'ont pas internet, jouent internet pour bien être.
Responsable là continue pour le faire qu'on est à gagner une séance formation pour madame Sarayo dans l'idée pour montrer yo comment yo ka acheter en ligne ça qui d'après lui c'est une campagne éducation internet. En Haïti, c'est dit madame Sarayo nous montrer non seulement ba pour joindre accès à internet et puis nous non seulement ba et possibilité pour joindre accès à internet et puis pour montrer qui j'ai ka utiliser pour entrer l'argent ou bien faire économie etc ou bien pour acheter en ligne, ça t'a vraiment important pour tout ça. Je dis pour community networks ou bien et réseau communautaire à Palia, en fait, il fait ça déjà, il réussit dans un bon pays en Afrique, en Haïti tout, puisque son pays en voie de développement, et bien nous-mêmes tout, nous besoin, même si il y a un pile d'autres défis, mais nous-mêmes nous besoin tout, et réseau communautaire en tout, nous devons tout utiliser avec énergie renouvelable, c'est-à-dire énergie à tout avec tout. Internet Society, c'est une organisation de droit dans le pays d'Haïti, mais qui est en ligne à travers le monde là. Non ak stigmatisation sou moun ki fè sida, c'est en baptême ça responsable Head Health Care Foundation Haïti lancé jeudi 13 septembre yon concours théâtre contre discrimination ak exclusion sou moun ki gen maladie a. Concours ça qui gen pour wè ak moun ki gen ki nan catégorie l'âge sorti 10 pour arriver 30 l'année rentrer dans cadre bataille fondation Sila a mené pour capable continuer sensibiliser population sur intégration moun qui fait maladie sida selon Karina Duverger. À nous suivre. Nous besoin pour yo comme son sorte de pièce théâtre que chaque bal fait. Mais quand là nous bal fait yo vini puis yo fait en pièce là théâtre là sous différents sujets. Nous gien sujet qui stigmatisation, discrimination, sensibilisation, traitement, sensibilisation, inclusion sociale et sensibilisation. Et homosexuel aussi. So, c'est sous tout bagage ça nous bal mandé puis yo fait de différents yo bal fait pièce théâtre. So, c'est pièce théâtre ça que nous-mêmes nous braler, nous bal font sorte, nous bal juger pour qui est-ce qu'a gagné. Mais les trois finalistes, nous allons faire un petit movie avec eux. Ce petit mini film, ça, c'est lui-même que ça gagne. Le dernier jour, nous allons faire un bel comme si c'était une sorte de red carpet, comme si carpet rouge, tout pour habiller en rouge, comme si côté nous allons passer un movie pour eux. Un grand théâtre, c'est que nous allons faire différents mondes qui gagnent, juge qui vont venir, qui est-ce qui gagne. Ça gagne lui-même, c'est lui-même, comme nous avons dit, premier prix à 1000 dollars américains, deuxième prix à 700 dollars américains et troisième, non, 500 dollars américains. Conditions pour participer dans le concours. Comme nous sommes bas jour, yo bal vini puis yo vin pran package lan. Pour commencer, faut yo gen de 10 ans à 30 ans. OK? Yo même tout c'est en fort groupe pa gen plus 3 8 moun. Le vini kounya la, yo bal en fait scène nan, nous même nous bal juger qui est. Mais depuis nous, ça qui est important c'est l'âge là qui plus important. Le vini et faut yo faire scène nan sous tapis que nous choisir. Tout le monde qui t'a aimé participer dans le concours n'a fait contestant. Nous avons le bureau qui numéro 6, rue Mokadieu Bourdon. C'est là bureau à chef. C'est là nous avons une clinique solidarité qui gagne pour toute patient. Si vous parlez en prison, c'est là nous gagnons pour l'Ouest là, que monsieur t'a demandé. Mais dans l'autre département, nous avons une mobile clinique. Président Association Professionnelle Magistrayo, Wendo Saint-Villiers, ba explication hier jeudi 13 septembre sous fonctionnement appareil judiciaire. Magistrat Saint-Villiers souhaitait gagner bon gens laboratoire disponible à bon gens experts pour accompagner Jijio dans l'exercice fonction. Maître Wendo Saint-Villiers souhaitait plus loin autorité au renouvellement de Jijio attend pour empêcher vide dans le système judiciaire et puis pour combattre la détention préventive prolongée dans le pays. En nous suivant externe déclaration. Pour gagner une série de problèmes qui sont complexes, des défis que la société a fait face avec eux, qui méritent une réponse judiciaire, nous rendons compte que le système n'a non seulement le bagage de loi qui permet qu'il réponde, mais il n'a pas de moyens tout. Et puis, les juges dans tous les pays du monde, côté, il a construit justice. Juges, c'est des techniciens du droit, oui, certes, mais de l'autre côté,
faut qu'on gagne des institutions d'accompagnement comme la police scientifique et de laboratoires scientifiques, des experts à disposition de juges. Mais en Haïti, on juge pas gagner de laboratoire à disposition, non. Même lorsque, par exemple, on a fait des prélèvements scientifiques, des analyses, et on a besoin d'expertise. C'est pour des cas, c'est à l'étranger pour ta faire prélèvement et puis vous analyser dans le laboratoire à l'étranger. Mais est-ce qu'il y a un cop qui est là pour ça? Est-ce qu'il y a un fonds qui est disponible pour ça? Non, au niveau de l'État, pas ça. Donc c'est autant de problèmes, de difficultés qui gagnent. Ajouté au fait que même espace de travail, juge n'a presque pas gagné. Il y a de côté un cabinet d'instruction. Il y a trois juges qui n'ont seul cabinet d'instruction, non seul petit bureau. Et dans le bureau, ça, si la procédure, il y a un monde qui est inculpé dans le dossier. L'autre deux juges l'ont obligé de sortir dehors. Et puis c'est à tour de rôle au travail. Donc ça vient expliquer des retards considérables. Et ajouté au fait que bon problème récurrent qui pour nous-mêmes sont cancer, c'est cette question de renouvellement de mandat. Et pas de volonté depuis l'existence du CSPJ pour que au niveau exécutif, là, il renouvelle à temps mandat du jour. Et lorsque le mandat n'est pas renouvelé à temps, conséquence, là, il y a moins de bras qui sont disponibles au niveau de la justice. Organisation Solidarité Citoyenne pour yon Haïti intégré ak nouvelle organise yon conférence débat en baptême yon analyse socio-juridique sur ce programme Petro-Caribéen dans société haïtienne. D'après coordonnateur général Estrict Islam, Ched Nelson Saint-Firmé ak avocat Newton Saint-Just qui était conférencier dans l'activité Sila, li explique procès a ta dwe fait qui ta dwe fait sous Petro-Caribéa doit faire sans force côté. Maître Newton Saint-Just fait connaître doit gagner une enquête en profondeur qui fait sous dépense l'argent Petro-Caribéa. En nous suivant extrait. Nous-mêmes, nous mettons débat sur le terrain académique, là, sur le terrain scientifique comme universitaire, ça, et nous invitons la presse pour relayer pour aller plus loin. Ça veut dire que nous avons parlé de Petro-Caribé. Dans la première section communale, Barriadel, d'Endam Marie, il faut qu'on dise qui est Petro-Caribé. Que le procès de Petro-Caribé doit être un procès équitable. Le mot équitable veut dire que Paris force côté. Il faut qu'il fasse en toute équité. Il faut que quel que soit le monde qui est dans le dossier, quel est Louis Saint-Just, maman, Louis Saint-Just, papa, Marie-Camel Saint-Just, maman, quel que soit le monde, il faut qu'il passe et en bas la justice. Maintenant, si le dossier n'est pas technique, nous perdons déjà. Et nous parlons de perdu. Il faut que ce dossier soit bien monté. Nous prenons les Kounia dans l'université de l'État, plus ce guerre rectorat, l'université de l'État d'Haïtien qui démarre depuis samedi 1er septembre à concours admission pour ensemble entité dans UEH. La faculté Sayo gagne tout mois de septembre pour clôturer le processus, validation yo, et puis organiser concours admission. Décanat divers entités dans UEH la, déjà tant mes préparations pour accueillir nouveaux étudiants qui ont gagné pour intégrer l'espace universitaire. Ertel Marie Dieudonné et Hervé Pierre à Banoplis Explication. Faculté odontologie, INAGE, agronomie, FLA, c'est ensemble entité qui déjà organisé concours admission pour l'année universitaire 2018-2019. La. Entité SAO qui prévoit l'ouvrir porte dans le mois de novembre l'an, commencer avec activité correction examen yo dans l'idée pour postuler l'an capable de joindre résultat yo avant date qui fixée pour rentrer. Yon ti visite dans différents facultés SAO montre que yon ensemble préparation qu'a fait pour accueillir anciens et nouveaux étudiants yo. L'autre entité qui a bien pour organiser concours pa yo dans fin mois de septembre ça, pas suspendre recevoir postuler l'an qui était déjà inscrit en ligne si tout cas spécial yo pour venir valider inscription. Yon délai 3 jours avant examen, c'est quantité de temps yon gagne pour mettre fin à processus là. Pour faculté médecine et pharmacie, étudiants qui ont pour participer dans concours admission entité ça qui fixé pour samedi 15 septembre 2018 là, ont gagne pour préparer ensemble matière ça yo. Anatomie, français, physiologie, biologie et physique. Pour faculté droit et sciences économiques, cap gen pour organiser concours lycée septembre cap vini là, philosophie, culture générale, mathématiques, langue vivante, c'est ensemble matière postulant yo ap gen pour préparer. Yera ICS, faculté sciences humaines, faculté des sciences et l'école normale supérieure, c'est entité sa yo cap gen pour clôturer concours admission en date 22, 23, 29 et 30 septembre cap vini là.
C'est là nous faisons échapper dans le local, là, nous prenons l'autre bord de l'eau et nous te disons dans le grand titre. Florence, c'est un ouragan historique qui est capable d'inonder toute Caroline du Nord. D'après ça, gouverneur état cela fait qu'on aime. Autorité a déjà demandé 1 million de personnes pour capable quitter la zone côté à cause du passage de l'ouragan Sila qui est capable de tomber jeudi à la côte Caroline du Nord. En nous suivant le reportage avec Renaud. 8 mois de pluie en 2 jours, c'est ce qui attend l'état de Caroline du Nord où l'ouragan Florence doit arriver ce vendredi. L'ouragan a été rétrogradé en catégorie 1 sur 5, mais reste dangereux, insistent les autorités qui ont ordonné à plus d'un million de personnes de quitter le littoral. Les premières rafales de vent accompagnées de fortes pluies se sont abattues jeudi après-midi sur la ville côtière de Wilmington. Alors que l'œil du cyclone se trouvait à 100 km, 150 000 personnes étaient déjà privées d'électricité. Des millions d'autres risquent de subir le même sort. Jeudi soir, Florence emmenait avec lui des vents atteignant 150 km/h contre 224 quelques jours plus tôt alors qu'il était encore classé en catégorie 4. Le gouverneur de Caroline du Nord a évoqué un ouragan historique qui pourrait inonder la quasi-totalité de l'État. Le pire de la tempête n'est pas encore arrivé, mais ce sont les premières mises en garde concernant les jours qui suivent. Survivre à cette tempête sera un exercice d'endurance, de sens commun et de patience. Selon le Service national météorologique, près de 5 millions de personnes devraient subir des précipitations de plus de 25 cm dans les 5 prochains jours. Après 3 jours d'ailleurs national, enterrement, Kofi Annan a chanté ailleurs jeudi dans le pays Ghana. Et plusieurs dirigeants dans le monde là ont été déplacés dans la ville Accra pour rendre le secrétaire général des Nations Unies un dernier hommage. N'a pas rappelé Kofi Annan a mouru 18 août passé à l'âge de 80 années. Il était occupé par le secrétaire général des Nations Unies, sorti l'année 1997 pour arriver 2006. Et dans l'année 2001, il était en prix Nobel la paix. Euronews, abdez-nous plus. Après 3 jours de deuil national, le Ghana célébrait jeudi les funérailles de Kofi Annan, décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Des dirigeants du monde entier s'étaient déplacés à Accra pour rendre hommage au secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006, prix Nobel de la paix en 2001. Antonio Guterres, l'actuel chef de l'Organisation mondiale, s'est recueilli devant le cercueil de son prédécesseur et salué devant l'Assemblée la mémoire de l'un des hommes les plus illustres de sa génération. Mille personnes s'étaient rassemblées dans l'auditorium du centre de conférence d'Accra avant que le cercueil ne soit transporté dans le cimetière militaire de la capitale ghanéenne pour un enterrement privé. Et c'est là, journal là, revenons en bout de ligne, nous sommes vraiment contents, nous sommes avec capables de former, mais avant de nous dire bye bye, permettez que nous rappelons un grand point qui domine l'actualité. C'est jeudi vendredi, un premier ministre nommé Jean-Henri Seyen et membre cabinet ministériel a présenté le Sénat République là dans cadre séance ratification ou non politique générale. Vice-président Sénat Pierre-François Sildor va garantir pour final sous analyse pièce tout membre cabinet ministériel là a déjà paré avant séance ratification. Connecter les déconnectés pour construire l'avenir du numérique en Haïti, c'est sous thème sa première édition Forum National sur gouvernance Internet organisée hier jeudi 13 septembre 2018 là dans Pétionville. Yon initiative Internet Society. Non à stigmatisation sur monde qui fait maladie sida,
C'est sous thème ça, responsable Health Hella Care, Fondation en Haïti lancée jeudi 13 septembre, yon concours théâtre contre discrimination et exclusion sous monde qui a maladie si là. Et puis à l'étranger, population Caroline du Nord, dans pays États-Unis, appareil pour passage ouragan Florence sous état si là jeudi vendredi. Autorité yo déjà mandé 1 million moun pour capable quitter zone côté y a vivre là. C'est pour ça que Claude nous te pote pour nous journal la jeudi. Nous te vraiment content ensemble avec vous. Nous te seulement pour nous capable souhaiter un bon vendredi et un bon week-end sur la télévision d'Haïti. Bye bye tout le monde. À la prochaine.